voici un merveilleux masque au nez qui ne manquera pas de nourrir et de faire pousser vos cheveux. Laissez-moi vous montrer exactement comment je l'ai fait. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne et je fais des vidéos vous montrant comment prendre soin et faire pousser vos cheveux naturels. J'espère que vous appréciez cette vidéo et que vous êtes là pour rester. Je fais la plupart de mes vidéos en anglais. Alors, voyons comme je fais ce masque aujourd'hui et nous commençons par l'avocat. L'avocat est une excellente source de biotine et l'ajout de cette vitamine du complexe B au régime capillaire aidera vos cheveux à pousser plus sainement. Une étude de 2015 a révélé que les minéraux contenus dans l'huile d'avocat, y compris le potassium et le magnésium, peuvent sceller les cellules de la cuticule, ce qui peut aider les cheveux à paraître lisses et brillants et les empêcher de s'écasser. L'huile d'avocat aide à rajeunir et à hydrater le cuir chevelu, une riche source de protéines, d'acides aminés et de vitamines. L'avocat aide à apaiser le cuir chevelu et favoriser une pousse capillaire longue, forte et saine. L'aîné améliore la santé du cuir chevelu en éliminant les impuretés comme les champignons et les bactéries. Il colore les cheveux gris, il ajoute la facilité de gestion, il renforce la tige des cheveux, il ajoute la brillance. Pour que vous en profitiez vraiment au maximum, il est recommandé d'utiliser l'aîné au moins une fois par semaine pendant une période prolongée. Ainsi, bien que vous puissiez profiter de certains avantages après une seule utilisation, vous pouvez en bénéficier plus et bien plus après plusieurs utilisations sur une période de temps prolongée. Ici, j'ai ajouté environ 2 à 3 cuillères à soupe d'aîné et un peu de mon après-shampoing. Il est temps de tout mélanger avant d'ajouter mon dernier ingrédient. Le miel a des propriétés à la fois émolliantes et humectantes, ce qui en fait un excellent hydratant pour les cheveux. Les émollients lissent les follicules pileux, ajoutant de la brillance aux cheveux ternes. Les humectants se lient aux molécules d'eau, ajoutant de l'humidité aux brins secs. En hydratant et en retenant la brillance, le miel peut aider à restaurer l'éclat naturel de vos cheveux. Mon masque capillaire est prêt à utiliser et il a l'air riche et incroyable. Cela ressemble à quelque chose que je peux manger. Alors, mes cheveux ont été lavés quelques heures auparavant. Il était donc très propre. Je vous recommande de toujours utiliser des produits ou ces masques sur des cheveux propres afin que les bienfaits et les bénéfices du produit puissent pleinement pénétrer dans la tige du cheveu et que votre cuir chevelu puisse également en bénéficier. Souvent, la santé peut faire obstacle à ces avantages. En ce moment, je ne fais qu'appliquer le produit sur mes cheveux et comme d'habitude, j'utilise mes mains plutôt qu'une brosse ou un peigne pour démêler mes cheveux aux doigts afin d'enlever tous les nœuds. Cela garantit également moins de cassures des cheveux. Dans la mesure du possible ou autant que vous le pouvez, utilisez toujours vos doigts en premier.
Ce masque était vraiment merveilleux parce que j'ai réalisé que dès qu'il était entré en contact avec mes cheveux, mon motif de boucle naturelle s'est activé et mes cheveux étaient si agréables et doux. Je peux vous dire que j'ai tellement adoré ce que cela a fait à mes cheveux. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je vous recommanderais d'utiliser n'importe quel masque ONE régulièrement et sur une longue période de temps pour vraiment profiter de tous ces avantages sur vos cheveux. Voici la partie où j'ai déjà appliqué le masque sur mes cheveux et vous pouvez voir toutes ces boucles naturelles activées. Bien sûr, je n'ai pas laissé mes cheveux ouverts comme ça parce que je voulais laisser le masque dans mes cheveux pendant la nuit. Alors j'ai mis mes cheveux dans des gros chunky twists. Vous pouvez voir le volume et la santé ajoutée grâce à tous les masques que j'ai fait. Si vous n'avez pas regardé mes autres vidéos que j'ai déjà postées, je vous recommande de le faire car je posterai d'autres vidéos sur les cheveux naturels en français aussi qui sont des traductions directes des vidéos que j'ai postées en anglais. Selon les recherches, le massage de cuir chevelu augmente l'épaisseur des cheveux en étirant les cellules de follicules pileux. Ceci, à son tour, stimule les follicules pour produire des cheveux plus épais. On pense également qu'un massage de cuir chevelu peut aider à dilater les vaisseaux sanguins sous la peau et favorise ou aide avec la pousse de cheveux. Alors guys, il est temps pour moi d'y aller. Je suis tellement très contente de vous avoir présenté cette vidéo. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris quelque chose de nouveau. J'aimerais savoir quelles sont vos pensées. S'il vous plaît, allez dans la section commentaires ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez. Veuillez également aimer cette vidéo et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour que vous soyez averti à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et je vous aime tous.
Bye. See you next time.